on a une nouvelle phase, une nouvelle offensive du gouvernement qui vise en fait maintenant à tenter d'essayer d'avoir une répression démocratique quand une affiche, un tract, une libre expression d'un syndicat veut s'exprimer sur des sujets qui peut-être dérangent, mais qui en tout cas dérangent le pouvoir en place sur la répression policière, où on nous a demandé si on assumait effectivement cette affiche qu'il juge au niveau du ministre comme diffamatoire, et pour lequel un syndicat comme Infocom CGT a considéré que non seulement on assumait cette affiche, mais qu'on revendiquait le fait de pouvoir encore aujourd'hui dans notre pays pouvoir s'exprimer librement sans être sous le coup d'une procédure visant à essayer de nous bâillonner ou à nous censurer au prétexte qu'elle ne ferait pas plaisir au pouvoir. Donc c'est finalement l'engagement d'une procédure et d'un procès politique qu'on pourrait résumer ainsi, et qui va dans les semaines à venir être l'occasion pour des syndicalistes comme nous, comme de nombreux citoyens ou d'autres syndicats, de porter une autre voix et de porter le fait qu'aujourd'hui, quand on considère être Charlie, une valeur fondamentale et une liberté d'expression dans notre pays qui est aujourd'hui menacée, puisque quand un ministre de l'Intérieur de surcroît, qui n'est pas un petit ministre dans un gouvernement, essaye de nous censurer, montre bien les dérives autoritaires du pouvoir en place qui vise à essayer de nous restreindre la liberté, que ça soit de manifester avec récemment contre la loi dite anti-casseur ou la liberté d'expression qu'on revendique aujourd'hui. La prochaine étape, en fait, elle se formalise par le fait que comme on a assumé cette affiche et qu'on n'a pas décidé de la retirer ou décidé de s'en excuser, c'est effectivement donc dans les mains du procureur, sur injonction du ministre, hein, parce que ça vient bien, donc la plainte a bien été déposée, je me le suis fait confirmer par le ministre en personne, et donc de voir si, à 90% de chances que ça soit le cas, un procès donc qui s'engage dès lors que le procureur aura mis son paraphe sur la procédure à engager au regard de cette affiche. Donc la suite dans quelques jours ou quelques semaines, ça sera du fonction du délai de traitement, mais aussi j'allais dire de la médiatisation faite autour de cette affaire, qui va être décidée qu'il y ait oui ou non un procès contre cette affiche qui incarne pour nous une liberté d'expression pour dénoncer la répression policière.